Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode et ce nouveau live sur USC Counter Force. On se relance sur le jeu, j'avais envie de faire un petit peu de stratégie tactique. Et ça s'y prête vraiment très très bien. J'ai envie de réussir cette mission là, le Scientific Data Retrieval. On avait testé, on s'était un peu fait massacrer parce qu'on l'avait testé en Hard ou Ultimate, je sais plus. Parce que c'était les prérequis pour débloquer le Primotron. C'était notre objectif. Mais depuis, il y a eu pas mal de mises à jour, il a ajusté pas mal la balance, les difficultés, etc. Et donc, on va pouvoir maintenant le débloquer, même sans faire de prérequis particuliers. Donc, on va se lancer sur cette mission. On y va avec deux squads. Donc l'équipe Chobiti et l'équipe Le Cygne. Entre-temps, avec... Ok, c'est pas un souci, oui. Il nous a rechargé une équipe à la rage parce que du coup l'équipe Chobiti est en première, donc on va mettre l'équipe Le Cygne et en deuxième l'équipe Chobiti, voilà. Très bien. Du coup, l'équipe Le Cygne désormais déjà est en jaune avec sa magnifique livrée cadeau. On y va avec un lance-flamme et désormais on est tous équipés en munitions perçage d'armure. Ce qui va quand même bien aider. Notre lance-flamme, plutôt qu'un petit pistolet à con, a maintenant un fusil d'assaut pour quand il a pas de munitions, enfin il n'a pas de trucs à cramer sous la main. L'équipe Chobiti est un petit peu moins bien équipée encore, mais néanmoins elle a quand même pas mal gagné en niveau. Et on a quand même de l'équipement de qualité, on a un petit peu de quaker pour compenser. Donc je pense qu'on devrait s'en tirer un petit peu mieux. C'est parti, on se lance. Donc, on va faire le petit briefing de la mission. Ok, oh la vache. Alors, phase 1, sécuriser le périmètre. Donc, Seek and Destroy, il y a 96 ennemis, 5 nids. Alors, les scans orbitaux ont révélé que la planète en surface était entièrement en ruine. Avec beaucoup de nids qui sont en activité autour des restes. Les escaliers qui mènent sous la surface se sont effondrés, donc on est en train de lancer des scans avancés pour déterminer le meilleur endroit pour faire une frappe orbitale, hein, pour faire un trou pour pouvoir descendre. En attendant, vous êtes libre d'engager les aliens de la manière dont vous le souhaitez. Le temps n'est pas un facteur majeur ici, il faut juste qu'on nettoie toute la zone. Éradiquer complètement tous les hostiles pour qu'on puisse continuer avec les étapes suivantes. Ne vous inquiétez pas des dommages collatéraux, cette place est officiellement considérée détruite. Donc, le briefing de la mission, hein, c'est vrai que j'en ai pas reparlé, c'est que, en gros, c'était une base scientifique qui a été totalement overrun par les aliens, et donc tout le monde est mort, cette fois on a personne à sauver, l'objectif est de s'infiltrer, récupérer un maximum de données scientifiques, puis se tirer, en gros. Donc je vois qu'ici on a déjà un shadow, un autre shadow, un autre shadow, un alien de Noël sans bonnet, puisqu'ils n'ont plus de bonnet, c'est plus Noël, et un autre shadow, donc on a déjà 4 mini-boss plus le mini de Noël, donc 5 mini-boss sur 96. Ce qui est pas mal par contre, c'est qu'on commence avec un max de nids proches. Celui-là, on n'ira pas le chercher tout de suite probablement, mais ces 3-là, il y a moyen de s'en débarrasser assez vite. Celui-là peut-être relativement rapidement. Donc contrairement à la dernière fois, on va essayer de pas faire de pas y aller en mode gros bœuf. L'objectif, ça va être de rester groupé, nettoyer tout ce qui nous arrive dessus et petit à petit au fur et à mesure qu'ils s'épuiseront, on essaiera de progresser. Bon, vu comme ça a popé, l'un des premiers objectifs va quand même être de mettre le feu à tout ça. On a The Flame et Aminu qui sont plutôt à l'arrière. Le bleu ici, on a ici un tank, où est notre autre tank? Ici, ok, on n'est pas hyper bien placé si on veut aller cramer de l'alien là. Mais en gros, il faudrait qu'on fasse un disperse là-dedans, un autre disperse là-dedans, et après on fout le feu à tout ce qui passe. Donc déjà, on va progresser jusqu'ici avec toi. On voit rien pour le moment, ok, donc tu peux te mettre là du coup. Toi, tu vas venir jusqu'ici. Alors là, j'ai l'impression, putain, il y a un foutu caillou, donc du coup,
Si, on est quand même capable de disperse. Donc on va disperse là-dessus. Et salut Warev, bienvenue sur le live. Bah écoute, ça va pas trop mal, j'ai le nez un petit peu pris, mais rien de non plus fondamental. J'espère que toi ça va bien. Je pense qu'on va disperser ici et après on dispersera là. C'est parti. On va disperser avec lui. Ensuite on va. L'autre jeu des devs de Battle Bro. Ah non, pas du tout. Le jeu des devs de Battle Bro n'est pas encore sorti. Il est en développement. Ça c'est USC Counter-Frost. C'est un Counter-Force, c'est un jeu qui est fait par un mec tout seul. Édité par Fire Squid. Qui ressemble probablement effectivement un peu à ce que sera sans doute le jeu de des mecs de Battle Bro. Mais qui est assez différent. Non, il n'est pas sorti encore le jeu, le nouveau jeu. Vu qu'on est au contact, je pense qu'on va se le faire à coup de barre quoi puis. Finalement plutôt. Parce qu'on est capable de le défoncer. Plus de munitions, on recharge. Ok, on a plus de balles. On va le finir avec notre soldier. Ok, un nœud de moins. Un nid de moins déjà. Ça c'est bien. On a dispersé. Ah ouais, il n'y a pas vraiment d'hydrazine tout là en fait. Je suis pas capable de foutre le feu avec lui. Ok, je voulais vérifier mais j'étais pas sûr. C'est un jeu en fait où on joue des escouades de marines qui sont envoyées dans différentes missions. Donc ici, on est sur la surface d'une planète pour accomplir des objectifs face aux aliens. Et là, en l'occurrence, on doit nettoyer la zone. Donc, on a 15, 95 ennemis à tuer et 4 nids. On doit s'en débarrasser. Le temps que nos confrères en orbite cherchent un endroit pour pouvoir s'infiltrer à l'intérieur. Parce que l'objectif, c'est de descendre dans les niveaux inférieurs où des données scientifiques importantes doivent être récupérées. Ok, on va se coucher ici. On va se mettre en défense. Là, on défend. Toi pareil, tu vas défendre ce flanc là. Ici du coup, si je me mets en ignite, ouais, je devrais pouvoir foutre le feu là. Alors j'aimerais bien du coup, tant qu'à faire, lui cramer la tronche, mais je suis pas convaincu. Parce que si je me mets là, ouais, si je me mets là, il n'y a pas ce qu'il faut. Par contre, peut-être que toi, Aminou, avec un bon angle. Understood. Si je te mets. Ah non. Pour cramer, il faudrait qu'on soit sur cet angle-là, donc c'est pas bon non plus. Ok, donc c'est pas grave. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas reculer. Tu vas nous mettre le feu à cette zone. Ok, bon, ça brûle un petit peu au moins. C'est toujours ça. Tac tac tac. Là, on a un jus, ce serait quand même pas mal. Alors toi, tu vas te replier derrière. Ce serait pas mal qu'on arrive à s'infiltrer genre jusque là avec toi. Tu t'accroupis, tu défends de ce qui pourrait s'approcher. Ici, pareil, on va défendre l'ingé. On va défendre. Est-ce qu'on se tourne? Ouais, on va se tourner. Il y a quand même plus de chances que ça arrive par là qu'ici, collé en haut. Aminou, du coup, pour le moment, tu vas équiper ton fusil d'assaut. Toi, désactive ça. Vas-y, tu défends vers le bas. Aminou, tu vas défendre ici. Toi, tu défends là, en sachant qu'il y a un petit rocher désagréable. Et toi, tu vas t'appuyer sur ce caillou. Et défendre. Pour l'instant, l'objectif, hein, c'est de tenir. De tenir en nettoyant tout le monde. Et ils vont s'approcher de nous avec le bruit qu'on fait et les nids qu'on tue. Donc, on se précipite pas. Pas des héros. La dernière fois, on a joué les héros en essayant de s'infiltrer. On s'est fait défoncer la tronche. Ok, les petits verres en premier, toujours. Ok. Ça, c'est de la saloperie.
Excellent, on l'allume. Bon, Aminu n'est pas très doué avec son fusil d'assaut, hein. On s'attendait pas à des miracles non plus. Le snipe est plus efficace, bien évidemment. Ok, un crawler ici qui se faufile dans les angles morts, mais on arrive quand même à le shooter. Parfait. Ce qu'il faut conserver, c'est ça. Hein. Les zones d'ombre là, c'est des mini-boss. Ou un alpha. Coucou. Ok, un qui se régénère. Alors là, on a moyen de faire de la zone ici. Excellent, on allume un peu. Un de moins. C'est pas mal, c'est pas mal. Mine de rien. On fait le taf quand même. Là on l'a raté, là on l'a touché. Allez. Ils ont bientôt joué. Ok, là il y a un gros shadow qui se pointe. Là ça brûle un peu, c'est toujours ça de pris. Alors. Ok, on a un shadow qui a bougé, lui ça va, il a pas trop bougé. La zone rose a l'air d'être par là, donc il doit être par là l'autre. Lui il est loin encore. Et lui est en train de faire le tour, ok très bien. Alors, l'objectif ça pourrait être de cramer ça, mais il faut qu'on se fasse celui-ci. Très clairement. Il y a aussi lui, mais on devrait pouvoir le sniper. Donc, Aminu, reprends ton lance-flamme, on va en avoir besoin. Ici, si je veux pouvoir le shooter, il faudrait que je vienne là. Ouais. Ok, c'est pas mal. On a quoi? On a du perçage d'armure en munitions en plus. C'est pas si dégueu. On va lui mettre tout ce qu'on peut. Par contre, il est dans le noir là. Ok, on a fait le plus mal possible. Avec toi, tu vas remonter un peu. Toi, du coup, t'as pas d'angle. Toi, relève-toi. Si tu descends là, t'as un angle. Sur celui-là. C'est pas si mal. L'autre là on le voit pas, mais on dégage la route hein, petit à petit pour Aminu. Aminu il faudrait qu'il vienne jusqu'ici. Jusqu'ici, non, toi, non, ça c'est le médic. Aminu, jusque là. Tu disperses. Et après une petite grenade. Alors le risque toujours avec la grenade c'est de les éloigner. Mais du coup de toute façon t'as pas assez pour un ignite. Donc on va devoir allumer à la grenade. Vas-y. Bim, ça brûle, ça explose. Ok, c'est pas mal. Aminu, replie-toi. Ici on est un peu coincé. Lui il a encore potentiellement beaucoup de vie. Si on a notre médic. Là il va falloir qu'on tangue parce que ça va s'approcher. Donc toi tu vas nous mettre des petits coups de hache là-dessus. Ça va être long mais c'est pas grave. On va tuer le nid comme ça, à la main.
Ici, du coup. Ok, angle mort maintenant. Tac, tac, tac. Là, on peut passer. Ouais, là, on peut passer. Donc, toi, il faudrait que tu ailles ici si tu veux avoir un tir là-dessus. À cette distance. Ah, à cette distance, avec des munitions perçage d'armure, on fait quand même le taf, hein. 2 balles. Ok, 2 balles, c'est pas si mal. Toi, j'imagine qu'il faudrait que tu viennes genre jusque là si tu veux avoir un angle de tir intéressant. Yes. Allez, si on se fait le premier mini-boss là, on est pas mal. Merde, on a plus de points. Donc ça va être à toi de jouer. Ma chère médic, je t'accorde que c'est pas forcément ton travail principal, mais c'est pas grave. Replie-toi par là, tu vas te mettre en défense, on va couvrir cette zone, on va venir se mettre devant avec notre mur. En défense, ok, pas mal. Donc toi par contre, ça serait bien que tu ailles là. Là, il y a des flammes, c'est la bonne nouvelle. Tu vas défendre là. Ici, on va se tourner par là, même si on n'a pas vraiment de munitions. Ça, c'est un petit rocher, hein. Donc, on peut tirer par-dessus normalement. Ouais, bon, jusqu'au nid, mais on peut tirer par-dessus. Vas-y, défends là-dessus. Toi, reload. Défends cet angle-là. Toi pareil, reload, défends cet angle là parce que là il y a l'autre saloperie qui risque d'arriver là. Et toi mon cher ami avec ton lance-flamme. Toc toc toc, tu vas reload. Ça c'est un gros rocher à la con. Ouais, on n'a pas vraiment d'angle, il faudrait que je vienne jusqu'ici si je veux taper sur ça. Donc vas-y, sors ton. On a quoi? On a de la munition standard avec ça. On va pas faire hyper mal, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est d'entamer son armure au maximum. Et normalement, tout le monde a travaillé en avant. On va gérer comme on peut ce qui arrive. Donc les nids se répandent, hein, tant qu'on les a pas détruits. Ouf, joli tir là. Très très joli tir. 150 avec un fusil d'assaut à cette distance, c'est propre. Il se protège derrière les rochers de démoniques chobitines, hein. Ok. C'est bien calme. Ok, non, lui il se déplace. Bon, là il se balade sur les flammes parce que ça le soigne de 10, donc forcément c'est intéressant pour lui. C'est un hunter, hein, donc il cherche une cible précise, mais tant qu'il peut pas la voir. Je crois qu'ils ont pas de tour, eux. Ok, là on le finit, il est rentré dans les zones. Ok, là on a une semi-grosse qui se pointe. Et on entend le petit alien vilain qui arrive. Alors. Ici c'est rapproché mais pas tant. Là il se rapproche. Là pour le moment lui on l'a pas aggro encore. Il reste assez loin. Ici on a des œufs qui poussent là. Ici pour le moment ça va, on arrive à les maîtriser, mais ça va devenir un peu plus critique à un moment. Allez, on va essayer de finir ce nid. Allez, il a plus d'armure.
faut le finir. Ah, oh, t'as pas réussi à le finir, merde. Il me reste 21. On va se fendre d'un petit tir quand même. Ici on a un angle sur lui, c'est excellent. Là on a plus d'angle du coup. Parce que lui il va nous tirer dessus hein, à distance. Donc, je pense qu'on va avancer. Voilà. 82. Ok, ça c'est fait. Deux nids de moins, ils sont plus que 86. Ça diminue mais c'est pas non plus monstrueux. Hein. Là on va aller mettre des petits coups de hache dans les bébés. Pas de pitié pour les bébés. Parfait. Et ce serait bien qu'on recule. Parce qu'il y a ça qui arrive là. Là il y a un petit. Il y a lui qui va nous tirer dessus de loin. On le voit pas malheureusement. Ici peut-être. Ouais, parfait. On est sur le côté. On perd son armure, hein. On commence à vraiment bien sentir les munitions perçage d'armure qui font très très mal. Jetez un œil derrière parce qu'il peut y avoir des ennemis qui rentrent aussi sur la map par les bords. Ce qui est bien sûr extrêmement désagréable quand ça nous arrive dessus. On va continuer de diminuer ça avec notre petit SMG. Mine de rien, ça fait quand même du dégât. Oula, n'avance pas, non, n'avance pas. N'avance pas dans les flammes, mon cher. Et du coup, là, on va reload ça. Sortir le fusil. Reload le fusil. Et il va falloir qu'on se fasse celui-là. À la défense, je pense. Alors ça serait bien que toi tu te couches peut-être, quoique non, là on a un angle quand même. Alors là forcément on peut pas tirer mais on a quand même un bel angle là. Quoique non, il y a ce foutu rocher, bon en gros on va couvrir cet endroit là quoi. C'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris. Ici on reload, on défend là. Pour l'instant, on a encore vu personne nous toucher, hein. Ça c'est pas si mal comme start. L'objectif c'est de tenir la ligne au maximum. Alors toi je t'ai pas mis en défense, ok. Couvre-nous par là, des fois que lui essaye de traverser la zone. Et Aminou, pareil, défense. Chaque point de vie enlevé compte, comme on dit. Alors il y a des petits vers qui vont s'approcher, qui vont finir par être assez près pour déclencher nos zones de surveillance. Lui se barre, ça me dérange pas. Ah là il y a un œuf qui a popé là. Ça c'est pas cool, on va peut-être se mettre ici puis balancer un coup de lance-flamme. Il ne faut pas le laisser arriver à maturation comme on dit. Ouh, coucou toi. Ok, les petites mouches qui s'approchent là. Avec leurs dégâts d'acide. Ouh, pas mal. Excellent, un de moins. Ça y est, c'est l'heure des Reapers. Donc à chaque fois qu'on les repousse, hein, ça fait gagner des points d'action. Ou Damned qui nous termine la Mother. Elle a laissé un œuf derrière elle par contre. Ah, et là on a un Shadow qui s'approche. Ouh, il arrive dans un angle mort. Pas cool. Ça pourrait être un bon endroit pour un disperse, cela dit, il y a aussi une mouche. Ouais, il est descendu plutôt que passer par là. Le petit sagouin. Alors du coup déjà, ici, est-ce qu'on peut aller là? On peut aller là.
on équipe ça. Ah mince, ça me coince la vue ça. Ah c'est dommage. Bon c'est pas grave, on va le finir le nid avant qu'il nous fasse chier plus que ça. Là on lui a bien cramé la tronche, il a plus d'armure, il devrait mourir assez rapidement. Maintenant au niveau des angles, là. Là il y a encore des flammes, on pourrait passer par ici. Mais ça nous crame pas mal de points de mouvement, sachant qu'il nous faut 8 pour équiper ça. 25, on a les munitions, on va le faire. On va aller leur... Ah, il faudrait une caisse de plus. Non, lui nous cache la vue, zut. Bon, c'est pas grave, on envoie ça là. Hop, on a plus de points du coup. Il nous faudrait quelqu'un avec une petite grenade, mais peut-être falloir qu'on progresse un peu. Ouais, parce que des démoniques Chobiti a de la grenade là. Vas-y, avance. Balance ta grenade par-dessus. Ah, on l'a repoussé, dommage. Bon, au moins on a mis des flammes, mais du coup, on lui a fait très peu de dégâts. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Toi, relève-toi. Tu vas aller prendre du coup le front devant là. Hop, en défense. Pour protéger un peu ici. On profite qu'on est devant, qu'il n'y a pas d'armure. On l'allume. Excellent, on n'a plus de munitions. Là, sur ce flanc, on protège bien pour le moment, c'est plutôt cool. Sachant qu'il y en a un autre qui arrive là, lui il a commencé à se déplacer vers nous. Il reste bientôt plus que Denis. Mais il y a encore beaucoup d'ennemis. Beaucoup, beaucoup d'ennemis. Est-ce qu'on a un pinpoint là? Non. On va l'amollir un peu, comme on dit. Plutôt pas mal, on est sur de la munition standard avec lui. Hein. Ouais. On lui a mis 44 de saignement, 30% de vie, c'est pas si mal. On va mettre Chobiti par là. Pour couvrir là l'avancée, là ce nid, il faudrait qu'on s'en occupe. Yes, cet œuf là, s'il nous pop dessus, voilà, c'est extrêmement désagréable. C'est parti, ici on couvre, ici on recharge, on couvre, ici on recharge, on couvre, ici on est accroupi, on se met en défense, là on couvre, petit coup d'œil derrière. On voit rien, parfait. Allez, venez, 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 venez. 44, c'est pas mal. Bon, les petits vers vont nous cramer nos zones. Ça va, il n'y en a pas d'autres. S'il y en a un là. One shot par le bleu, bien joué. Et salut 4-4 Kodak, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ça bouge en bas. Excellent, on l'a repoussé. Là on a plus de zone sur cet angle là, c'est embêtant. S'il décide de faire demi-tour et de passer par là, on va être un peu à poil là. Ah, c'est toi, Ketchusha. Bienvenue, du coup, deux fois. Content de te voir ici. Allez, repoussez-le un peu, là. Un petit coup de snipe qui le repousse, non? Oh, il peut pas le repousser, il y a un caillou derrière.
Gotcha. Ok, déjà il est mort, c'est plutôt cool, là il y a encore un autre qui approche. Il va nous cramer nos zones de surveillance, pas cool. Ah putain, du coup lui, il va pouvoir être libre de se déplacer quasiment. Ou un alpha. Ouh, il commence à y avoir du peuple là. Il a bloqué son pote. Non, il passe quand même. Il prend les flammes, mais il va pouvoir nous atteindre. Ouf. Ah l'enfoiré, il nous a repoussé dans les flammes. Et on a un Greater Shadow Envoy qui arrive. Coucou. Ok, donc là, il va falloir qu'on recule là. Qu'on crame tout ça. Putain, ici on a pris un peu cher avec démonique là. Alors, combien de build-up t'as? 16, ok, ça va, c'est pas monstrueux. Par contre ici, faut me recharger ça, toi il va falloir que tu recules. Ouais, là va falloir faire de la zone hein. Un Greater Shadow Envoy et un Shadow Envoy, ça va pas le faire. On va cramer un petit scan, il y aurait 160 PV et lui 1425 PV à cet enfoiré. Purée. Vas-y, équipe ton lance-flamme, toi. Tu peux disperser jusqu'où, là? Toute cette zone-là. Ce qui veut dire que tu vas tuer tous tes potes, hein, c'est pas trop un sujet. Ok, sors de la zone, toi. L'idéal, ce serait que tu sois ici. Toi, Aminou. L'idéal, ça serait que tu prennes la place de Hibou Medic, voire même que tu montes là-haut. Est-ce que tu peux sauter? Ah, il y a un rocher là, zut. Avec un alien bec derrière. Attention aussi, il y a encore de l'hydrazine pool ici. Là, il y a une radioactive pool qui peut exploser, celui-là aussi. Donc, ça, si on fait exploser ici, ça peut être assez vite dramatique, on va dire. Du coup, Aminou. Tac, tac, tac. Ok, on a détecté un petit alien à la con, rien de grave. Il va falloir qu'on rapatrie un peu du monde ici, je pense. Yes, sir. Et on n'a pas de bon angle en plus avec toutes ces flammes là. Bon, lui, il va mourir assez facilement, le problème c'est lui, hein. Si on veut sortir de la zone, on va devoir prendre du shadow. Donc je pense qu'on va se replier du coup par ici. On va mettre nos deux lance-flammes là et on va cramer cette zone. Peut-être balancer une petite grenade, on verra. Ah là, il y a un œuf en plus. C'est toi qui laisses des œufs? Ouais, ça doit être lui qui laisse des œufs. Il y a encore tout ça à gérer derrière en plus. Pour ça j'aimerais bien réussir à amener Aminou là, mais il va prendre un peu cher en termes de dégâts. Et après il est un peu tout seul quoi. C'est quand même risqué. Et en plus oui, on s'approche de lui, donc du coup on va prendre des dégâts. Oh non, c'est une idée de merde. Ils sont obligés de s'approcher, enfin sauf lui attaque à distance, mais ça reste raisonnable. Donc non, on va se replier. Tac. Toi tu recules. Toi tu recules jusqu'ici. Voilà. On va disperser assez largement pour faire des zones de flammes pour ceux qui sont derrière. Toi tu recules ici, toi tu vas reculer là. Ouais, je sais, tu vas prendre des dégâts, mais on va te faire sauter. Hop, comme ça il en prend qu'un. Voilà, accroupis-toi. Donc on disperse ici. Et après toi, balance-nous une petite grenade pour amollir un peu tout ça. Ah, ça a pété massivement, j'espère qu'on s'est mis assez loin.
Oh la vache! Il a pas pris tant que ça, l'enfoiré! Sale bête! Ah, puis là, il y a un rocher qui nous empêche de tirer dessus. Parfait. Vas-y, reload. Toi, tu peux pas reload. Tu peux te coucher, par contre. Ah, il s'est mis dans des angles parfaitement bien placés, quoi. Peut-être que toi, t'as un angle. Ouais, t'as un angle. Vas-y. Waouh. Niveau dégâts... Target hit. 43 de dégâts, putain. Understood. Vas-y, toi. T'as du perçage d'armure, voilà. C'est un peu plus propre. Bon. Il est partout dans les flammes. Et pourtant, on est loin de l'avoir tué. Tu pourrais couvrir ce côté, toi, si tu restes là. Il y a aussi un alpha là. Bon, on va prendre des coups là pour le coup. Je vois pas trop comment on peut faire autrement, malheureusement. On va espérer qu'on les repousse un petit peu. Mais on fera pas de miracle. Toi, t'es devant. Vas-y, mets-toi en défense. Ça va picoter. Lui, il a commencé à faire un œuf. Putain, malgré toutes les flammes qu'on lui a mis et tout, quoi, il prend quasiment rien. Ok, là, l'œuf a éclos. Super. Ah mais non, commencez pas à rater. Hein. Ok, 120 de dégâts, c'est pas si mal. Par contre, voilà, il va nous faire chier. Ouf. Putain, il nous a mis 2x16 de saignement, l'enfoiré là. Ah, une mouche. Putain, on est bien en groupe là si elle tire. Non, c'est bon, elle a plus de mouvement. Ramener un soigneur en haut là. Alors on a plus de zone. Ouais, au moins il a pas ce qu'il faut pour bouger. Ouh, l'alpha qui tombe, ça fait plaisir. Allez, là on le prend dans tous les feux croisés possibles. Hein. Oh oui, il meurt, excellent de justesse. Bien joué les gars. Très très bien joué. Bon, démonique prend un peu cher, mais au moins il brûle plus. Alors ici, déjà, les pansements. Voilà, on enlève un peu ça. Toi, il faudrait que tu remontes là-haut. T'as un chemin pas mal là. Ok, vas-y. Les pansements. Pansement, deux pansements, on va claquer.
Niveau. Ah, tu brûles encore un petit peu, mais c'est en dessous de ta résistance donc ça va. On a pris 4 d'acide, c'est gérable. Alors. Là, il y a encore du dégât de zone à faire. Ici, on va se le faire à coup du Burquak, lui. Allez hop. Ah merde, ça l'a repoussé, dommage. Plus de munitions et tu peux pas recharger. Très bien, pousse-toi. On va le terminer. Ok, très bien. Lui, c'est la priorité à buter. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on pourrait balancer une petite grenade enflammée dans le tas là. Ça me plairait assez dans le concept. Ah dommage, ils sont pas tout à fait bien placés pour une grenade, tiens. Du coup, on va avancer. Balancer la grenade là. Voilà. Et après, lui, on se le fait à la hache. La hache, ça fait pas couac-couac, non, effectivement. La hache ne fait pas couac-couac, Chobiti, tu n'as pas tort. Il te reste un point, vas-y, enlève-toi ce saignement. Donc lui, il devrait crever. Ça, c'est de la petite merde. Il y a lui, là, qu'il faut qu'on se fasse. On a un petit 72 à cause du fait qu'il est derrière son rocher. Parfait. On a de quoi recharger. Bon, où sont les autres Shadow? Là, il y a toujours l'autre qui se balade en bas. Lui, il a fait demi-tour. Hey, mine de rien, on a éliminé pas mal des gros. Là, on pourrait commencer à progresser vers les nids. Notamment lui. Ça te donne envie de lancer Xenonaut, j'imagine. Ah, mais carrément. Alors après, ce jeu-là est vraiment très très bon. Hein. Il y a une campagne qui est en cours, là, il est en early access, il est en train de préparer la campagne, le dev. Et je pense que ça va vraiment être. Enfin, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de 2023, ce jeu. Hein. Clairement. Que ce soit en termes de tactique, de gestion, de stratégie, il est vraiment hyper hyper cool. On va progresser un peu. Essayer d'avoir un angle sur celui-là. Parfait. Ok, on a plus ce qu'il faut. Alors ça c'est un qui crache à distance. Que je peux aller lui mettre des petits coups de hache un peu. Je préférerais me débarrasser du Lich Egg. Ah, il y a un scorpion là. Voilà. Le Lich Egg, déjà c'est fait. Il en reste juste assez pour nous mettre en défense. On va le faire. Donc, ça, c'est un petit scorpion qui explose quand on le tue. Et qui en plus est insensible aux flammes. Donc, il peut courir gaiement dans tout ça s'il a envie. Recharge ton lance-flamme, toi. Et toi, The Flame. Est-ce que tu peux venir jusque-là? Tu pourrais venir jusque-là puis cramer tout ça. Pour le plaisir. Allez, vas-y. Pour le plaisir, on va le mettre là. Cramer ses mouvements. Voilà. Bonne dose de flamme. Ça calme toujours. Mets-toi un peu par là. Moi je sais. On va rajouter un truc dans les points. Chaque fois que tu fais une référence musicale sans t'en rendre compte. Alors, Jobiti dit que dans les points de chaîne, il faudrait que je rajoute un gif, j'imagine. Qu'on peut activer à chaque fois que je fais des références musicales sans m'en rendre compte. Écoutez, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Alors. Du Albert Léonard. Bah écoute, je te fais confiance. Bon, là, faut pas qu'on le laisse tout seul, hein, quand même, lui. Il est un petit peu trop isolé. On va aller les finir au minigun. Tu
Je peux faire un scatter au corps à corps? Non, je peux pas faire un scatter. Hop là, un de moins. Allez, toi. Est-ce qu'on a de quoi cramer? Oui, on a quoi de faire un petit scan juste pour voir. Lui, il a 41 de vie, il va prendre moins 76, donc c'est pas la peine d'utiliser des munitions dessus. C'est parfait. On va se contenter, je pense, de défendre là. Si Scorpion veut faire chier, on va essayer de le tuer avant qu'il nous touche. S'il nous pète à la gueule, bah il nous pètera à la gueule. Mais non, ma chouchou, ma chouchou. Tu protèges ma chouchou quand même. Je protège qui je peux protéger, quand je peux les protéger, Choupiti. Ça ne change pas. Ok, ici on va se mettre par là. Reload défense. Toi t'as plus de points, toi t'es déjà passé. Aminou, tu vas rééquiper ton fusil du coup. Roger that. Tu vas nous couvrir cette zone là. T'adores la caméra de casque totalement inutile mais tellement stylée. Ouais, elle est franchement hyper cool quoi. Et puis tu vois bien les aliens dessus et tout quoi. Quand t'es face à un gros alien juste collé aux fesses là, dans notre petit verre dégueulasse là. Elle est vraiment... Non, c'est vrai qu'elle est vraiment cool. Regarde. Oh, coucou. Tu l'as bougé, elle était plus en haut. Ouais, avant elle était là, je l'ai mis sous la minimap pour voir ce que ça donnait. Alors, il nous reste toi. Alors toi, tu peux te mettre quelque part pour défendre un peu. Toi, tu vas défendre ici. Est-ce que je te tourne? Non, défends là, des fois qu'il y a un truc qui se pointe là. Et toi tu vas te mettre ici, juste à la sortie du caillou. Et tu vas protéger un peu ici, parfait. Allez. C'est pas mal pour le moment, alors plus on utilise de munitions, moins on aura de munitions pour la suite hein. Donc il faut faire gaffe. On va essayer d'éliminer un maximum d'ennemis avant de rentrer dans le bâtiment. Parce que dans le bâtiment on peut avoir des loots. Le problème c'est que si on combat dans le bâtiment, on peut détruire les loots. Donc pour le moment on va essayer d'y aller tranquille. Ok, petite merde c'est fait. C'est toujours les petits qui jouent en premier pour utiliser nos zones de surveillance malheureusement. Ils sont assez intelligents. Attention là, il prend un angle mort. Faut pas le tuer maintenant. Ok. Je préfère qu'il me tape plutôt qu'il explose, hein, clairement. Ok, ici il y en a un qui s'approche par là. Ok, j'en prends acte. Un petit Reaper. Parfait, on le fait reculer un peu. Un deuxième. Ah, j'entends le... Voilà, la grosse saloperie qui arrive. Alors, là, ce serait un bon endroit où disperser un petit peu d'hydrazine. Là. Juste là. Ouh, c'est déjà en flamme. Attention. T'as détruit la moitié du bâtiment là-bas. On a détruit les murs mais on a foutu le feu à lui. C'est plutôt pas mal, on va reculer. Reload. Ok. Là putain par contre il y a une petite merde mais on peut passer au-dessus. Ouais on peut passer au-dessus. Donc on va progresser jusque là. On va commencer à aller envisager de se faire ça là. Le nid. Voilà. Alors là vu qu'on est assez proche, je pense qu'on va rester en Uberquad pour la défense. Non, la question c'est est-ce qu'on peut trouver moyen de se faire celui-là. Alors déjà faudrait se faire celui-là, mais faut reculer pour ça. Parce que s'il pète, voilà, il explose, on n'en parle plus. Et on va se mettre là, je pense qu'on va défendre cette zone. On s'accroupit, on défend, on va l'attendre lui, on va se mettre avec le plus de tirs croisés possible. En bas ça commence quand même à être un peu moins critique. Là il n'y a rien à looter. Il y a Snila à aller chercher mais on les a descendus à 56 quand même hein.
Là, il y a un peu de loot, un truc à scanner ici, et un peu de loot. Ça va être tendu en termes de munitions, je pense. Mais on va voir ce qu'on peut faire, comment on peut gérer ça. Alors. Là, il y a un caillou qui nous coince la vue, mais on pourra descendre genre juste Yes, derrière sir. toi. Voilà, vu qu'il est accroupi, on a un tir. Les cailloux, oui, ils ont une intégrité de 1000, donc je peux les casser, après, faut le vouloir. Hein. Déjà, ils sont plutôt résistants aux explosions. Mais techniquement, oui, en tirant dessus, jusqu'à ce qu'ils soient pétés, en balançant des grenades et compagnie. Holding C'est position. pas hyper utile, on va dire. Holding position. Ok, lui, on va se préparer à Holding l'accueillir position. avec toi. Affirmative. Là, est-ce qu'on a moyen d'avoir un angle de tir? Ça me paraît compromis quand même. Si je me mets ici, Understood. peut-être. Ah, là, on a un angle. Attack. Ok. Si on pouvait faire mieux que du grazed, ça serait bien par contre. Toi, les flammes se sont arrêtées là. Viens t'appuyer sur Holding position. ce petit rocher. On va préparer clairement à Holding couvrir position. cette zone là parce que c'est ici qu'on veut faire le maximum de dégâts. Toi, tu vas te préparer à descendre en bas, t'occuper du nid peut-être avec un ou deux renforts. Toi, Minou, vas-y, accroupis-toi. Remets-toi en défense, comme ça on met lui derrière. Affirmative. Il a des angles Holding de position. tir. Et donc ici, il y a lui qui peut nous tirer dessus, donc on va resserrer les rangs. On va remonter, hop, on s'accroupit en Holding position. défense. Ici, Holding on position. recharge en défense, ici on remonte, on Holding recharge position. en défense. Ok, pour le moment, on défend. On attend de voir comment ça va se passer. Si on se débarrasse de lui, ce sera le dernier mini-boss. Ah putain, il brûle déjà plus. Pas cool ça. Il a vraiment pas pris beaucoup. Là, on a vu quelque chose. Ah, un scorpion. Alors, on lui fait tellement rien. Incroyable. Oh la vache! Saloperie quoi. Il va nous craser toutes nos. Cramer toutes nos zones de surveillance. Ok, un petit crawler en haut. Ça va. Lui, comme prévu, il avance. Pouvoir nous choper un angle de tir, mais là il a porté là. Ouais. Il nous rate. Il nous met un petit peu de poison, rien de fondamental. Ouf, alors là, on Attack. était un peu bourrin. Aïe. 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 Allez, à lui. Il va marcher dans les flammes, se prendre toutes nos zones. Si on pouvait faire pas trop de graisse, ce serait cool. On repousse un peu. Très bien, il prend flamme. On le repousse sur ses propres flammes violettes, donc du coup ça le soigne. Mais on lui a cramé un max de points d'action. Ok, il a le 3, il a de quoi mettre un coup. Franchement, ça va. Alors, voyons voir. On va cramer un petit scan pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc lui il y aura 123 points de vie, il lui reste encore 263, donc faut qu'on le termine. Hop, 192 pour 108, 119 pour 140, c'est bon, il est mort. On peut s'occuper d'autres choses. Donc toi. On va aller te mettre quelques petits coups. Ok, il y a du scorpion, trois scorpions. Ah, c'est le nid là-bas, il nous pop des scorpions là, à tous les coups. Vas-y. Découpe-le. Merci.
vas reculer autant que tu peux. On va s'appuyer sur toi pour la défense. Et on va avancer comme ça petit à petit. Et là on va essayer de prendre d'assaut ce bâtiment et ce nid. Donc là, on se le termine. Plus de munitions, tu peux venir là. Vas-y. Crame tout ce que tu peux sur lui là. Ok, c'est très bien. Recule, tu peux pas reculer. C'est trop cher de marcher sur cette saloperie. Est-ce que ça vaut le coup de cramer un disperse? C'est du petit alien à la con. On va venir plutôt défendre avec toi. Vas-y, termine nous le nid. Voilà, ça fera de la place. Maintenant on voit mieux. Il nous cache plus la vue. Tu t'accroupis, tu défends. Excellent. Donc. Toi, tu vas reprendre ton petit PM. Tu peux pas passer là, non, tu peux pas passer. On va plutôt mettre le snipe derrière en défense. On va même carrément tirer tant qu'à faire. 24 pour moins de temps, il a. Il reste 23 PV, il va en perdre 14 quoi. Bon, on va pas utiliser une balle pour ça, on va se mettre en défense. Ici, lui, on a dit il est mort, donc on pourrait progresser avec eux. Genre, jusqu'à ce rocher là, ce serait bien. Lève-toi, vas-y, saute. Ah, je sais, tu te prends des trucs, mais c'est comme ça. Je vais te mettre en défense là. Ça va nous permettre d'avancer. Là, on prendra des dégâts. Ah, et c'est un peu serré ici. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt mettre lui accroupi, derrière on va foutre le snipe. Et Aminu tu vas aller là, couvrir ce petit tunnel avec tes petites capacités. D'ailleurs on va te mettre en full burst. Ici on défend ça, on défend ça, là on couvre. Il nous reste toi. Ah oui, je t'avais demandé d'aller là, mais calme-toi. Toi, faut que tu sortes de cette zone. Je peux pas sauter par-dessus ce petit caillou là, c'est dommage. Non, on va devoir re-rentrer dans la zone. Ah non, ça va, ça passe. Vas-y, défends ici. Alors, recharge, puis défends. Toi, recharge, puis défends. On est pas mal. Allez, on continue de progresser. Lui, il va peut-être se replier vu qu'il a plus beaucoup de dégâts. Lui, normalement, meurt. Voilà, ok, j'ai eu peur qu'il meure pas. Putain, il y a un truc qui est sorti du nid. Qu'est-ce que c'est? On dirait un verre, ça va. Ouais, c'est ça, c'est un petit verre. Bon, il va se faire. Il va se faire défoncer. Allez, ça serait bien que vous le tuiez avant qu'il arrive au corps à corps. Ok, parfait. Merci. Ouais, lui il se replie. S'il soigne pas trop, il y a des chances qu'il... Que du coup il prenne... Il meurt du saignement tout seul. Deux scorpions en moins, il en reste un là. Il fait des petits trucs. Ouf, qui s'est fait one shot par le snipe, excellent. C'est ça qu'on aime. Ok, reste lui. Pas mal, pas mal. Franchement, c'est pas mal. Encore 40% d'aliens qui jouent. Ok, ça bouge en haut. Il décide de se barrer parce qu'il prend trop cher. T'as bien raison.
Ok, ici on souffre un peu, mine de rien, avec l'attrition petit à petit. Alors, de ce qu'on voit, il reste un truc là, deux trucs là, les autres se sont repliés ici. On va caler un petit scan, voir où ils sont. Ok, ils sont planqués dans cette zone là. Attrition, c'est de la même famille que tristesse. Attrition, c'est de la même famille que tristesse? Non, Non, absolument pas. Étymologiquement. Étymotologiquement. Oui. Alors on a quoi? Un ameskit pour se soigner et un canard. Et ben on prend. Un canard. Et du coup non, absolument pas, ma connaissance, rien à voir. On peut pas tirer sur lui parce qu'il est. Il est trop petit, c'est une demi-taille, il est planqué derrière un truc en demi-taille, donc on ne le voit pas, c'est bien dommage. Du coup on va ramasser un petit peu d'hydrazine au cas où on fait tout péter ici. Et où est-ce qu'il voulait aller en allant par là? Ah par contre je peux tirer sur ça. Vas-y, fais tout péter, ça va prendre feu, ça va exploser de partout. Pas si mal. C'est pas si mal. Il y a eux à gérer. Ouais, j'ai pas assez de points. Si je vais jusqu'ici, je pourrais faire même pas un focus fire. Non, rien d'intéressant. Toi par contre. Allume. Allume, oh allez. Voilà, parfait. Tu vas rester ici en défense. Backé par Shubiti. Et le bleu. Shubiti la démon aux questions bizarres, oui, alors c'est pas non plus. Je dirais pas que c'est un titre. ok, ici, on avance un peu, on voit quoi? Un Armored Worm et un Skitter en pleine forme. Ok, donc on va te mettre ici, accroupi, en défense. On va envoyer toi ici. On voit rien derrière, hein, non. Fait que 44 ennemis, attention. Toi là. Un gros niche. 44 ennemis et un nid, ouais, tout à fait. Du coup, là, est-ce qu'on essaie d'aller chercher ça, le loot ici, peut-être? Pourquoi pas? Alors, on a des petits groupes là, hein. Faut qu'on fasse attention à pas trop se disperser non plus. Parce que ça peut vite partir en sucette. Ok, lui il est rechargé. Pas la peine de s'embêter trop. Il y en a un qui prenait des dégâts. Ouais, toi t'as 6 d'acide donc ça va, fin de poison. Ce serait bien d'aller ouais, mettre au moins un petit pansement là. Voilà. Ok, on va progresser un peu. Yes, sir. Tout ça, voilà. Holding position. Toi, mets-toi ici. Ici. Accroupi en défense. Toi, tu vas t'appuyer sur le petit caillou qui est là. Tu vas couvrir cette zone, il nous faudra couvrir en bas là, mais on a toi qui est plutôt bien placé pour ça. Backé par l'ingé. On recharge. Toi viens ici. Vas-y avec ton petit PM là, tu vas nous surveiller ça s'il y a les deux machins là qui essaient de descendre. Il n'y a plus personne à jouer, c'est parti. Ok, là il est mort des flammes. Ouf, le gros explosif là. Ok, pas mal. Si on l'avait tué un cran plus loin, il aurait fait du mal à ses copains, mais
Au moins, c'est géré. Il est nul ton dictionnaire. Ah, il y a un petit qui a réussi à se faufiler dans un truc là. Dans un angle mort, sûrement par là. Qu'est-ce qu'il a ton dictionnaire, Chobiti? Bah, il dit attrition, regret d'avoir offensé Dieu, causé par la crainte du châtiment éternel. C'est pas le ram. Non. Attrition, non, c'est pas ça. Ici, attrition dans le contexte, c'est le fait d'être petit à petit, avoir la vie bouffée par un tout petit truc que tu peux négliger normalement, mais qui sur le temps finit par compter. Ok, c'est pas mal. Il y a beaucoup de crawlers, hein. Mouche. Oula, on va tellement rater. Pas morte, elle va pouvoir cracher cette bête. Target hit. Fire. Eux ils essayent de contourner quand ils ont plus de vie là, passer dans les angles morts, c'est désagréable. Là ça bouge en bas. Ici ça explose donc il y a un chemin maintenant. Ouf, ici ça devient compliqué là. Démonique Chobiti là, il lui faudrait une petite picouse. En attendant, venge-toi. Nick, t'as pas réussi à le tuer là? T'es sérieux? On va corps à corps sur une petite merde. Sans déconner quoi. Excusez-moi, elle pleure. C'est comme ça. Allez, un coup de hache là dans les fesses. Merci. Ok, on est rentré dans le bâtiment. On va progresser vers ça. Il nous faudra un ingé pour gérer ça. Il nous faudra un médic en bas, mais on va pouvoir faire jonction. Donc ça devrait aller. Tout maintenant qu'on a fait un gros trou. On va envoyer lui en éclaireur. Pas mal. Toi, termine-nous celui-là s'il te plaît. Après, il faudrait que tu viennes jusqu'ici si c'est jouable. Ah, là, il y a un scorpion alpha. On peut passer par où? En ligne droite là. Ah, intéressant. Mais non, mais tu rates pas ça, damnet quand même. Tac tac tac, comment on va gérer celui-là, là, en ligne droite par là? On a des mines? Non, pas avec toi. Ouh, par contre... Attack. Bim. Fire. Enemy down. Excellent, excellent angle de tir du snipe là. Ok, t'as plus rien, tu recharges. Du coup, il nous reste lui là. Toi t'as plus beaucoup de points parce que t'as déjà dû allumer. Mais si je te mets là, il y a peut-être moins de faire un tir. Non, t'es trop loin, dommage. Vas-y, avance. Engaging enemy. Avec le Quaker, on fait mal même avec le petit tir. Hein. Fire. Ah, il est pas mort. Il est pas mort. Dommage. Roger that. Vas-y, on progresse avec l'ingé. Ah, il y a un petit. Tango là, et hop, ça c'est fait. Un de moins. Ils sont plus que 33. Il y a encore un nid par contre. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'ici? Toi tu peux aller jusque là, parfait. Donc on peut aller jusqu'ici. Mettre une petite piqueuse. Voilà, tu préfères prendre du poison? Bon alors ça suffit de chouner hein. Incroyable ça hein. Jamais content.
On s'approche du nid, petit à petit. On va avancer là, comme ça on va pouvoir toi te mettre ici. Tu nous finis ça, voilà. Ouh, y a du... Putain, il y en a encore un là. Et une mouche là qui est salement bien placée. Vas-y, accroupis-toi. Toi, tu viens. Avance d'une case. Tu peux la tirer dessus. Excellent, vas-y. Si tu avances d'une case, tu vois mieux. Munitions. Allez! Sérieusement? C'est quoi ces Grazed là? T'es sérieuse? Oh, ok, je préfère des Grazed que des Miss. Clairement. Bouge d'une case. Ok, ça c'est fait. Toi, mets-toi en défense. Toi, mets-toi en défense. Toi, t'as plus rien. Lui, il va nous contourner. Là, il y a une petite saloperie de trucs qu'il faut qu'on saute par-dessus. Vas-y, défense. Et lui, il bouge. On va pouvoir lui mettre quelques coups au moins. Qui reste des trucs? Notre médic va se mettre en défense. Et l'ingé est là. En défense également. Alors il a qu'une balle, mais de toute façon il a de quoi faire un seul tir. Et toi, Minou? C'est démonique hein, qui a pris l'hydrazine, ouais. Et le bac est là. Hop, il y a une petite, un petit worm là que t'as moyen de te faire, je pense, avec ton petit PM. Ah, j'ai complètement oublié celui qui avait fait le tour, tiens. Sale bête. Ouais, là, il va y avoir du contournement là. Allez, Aminou là, c'est quoi ces 1 point de dégâts, t'es sérieux? Putain, le machin il a réussi à se faufiler quoi. Ouh, ça c'est méchant ça. Là y'a un risque là, y'a moyen qu'on le tue au dernier moment, non c'est bon. Un autre scorpion ici, Armored. Ok, il avance plus, c'est parfait. Un alpha ici. Ça s'acharne sur démonique, va falloir y mettre un petit soin. Ici ça s'acharne sur le médic. Y a du peuple hein, dans le coin encore. Hein. Là, on va être un petit peu tous, un petit peu pas assez nombreux je pense là. Ah et là il y a le l'alien magique comme on dit. Ok. On prend du dégât. Le saignement diminue petit à petit. Ok, donc ici. Il va falloir qu'on se foute un medikit. Voilà. Et après, on passe en Uberquack. Sérieusement pour gérer ça, ça pique. Hein. Alors toi, l'autre il est armored et là on a un foutu scorpion qui a zone qui a portée d'explosion, plus de trucs là. Tu peux me lancer une grenade par là? Vas-y, balance une grenade par là. Alors, ça fera le taf. Ensuite, tu me le découpes lui. Autant que tu peux tout du moins. Et après tu te replies. Ici, on défonce ça. Une munition. Vas-y, passe en Uberquack. La priorité, c'est cela, hein, clairement. Voilà, les petites merdes là, on peut faire avec. Il y a lui aussi. Plus de munitions, merde. Il va nous falloir le renfort de Aminou. Venir jusqu'ici à Minou, vas-y. Un petit full burst, tu viens là. Ah non, t'as raté ton full burst, sérieusement.
Je vais même pas faire un short. Bon, viens ici pour essayer de le pousser à t'attaquer toi. Ici, plus de munitions. On est compliqué niveau munitions, hein, on va pas se mentir. Tellement que je pense qu'on va essayer d'y aller à la hache. Alors sur l'alpha là. Voilà. Un petit scan. Ça donne quoi? 97 pour 35. Oh non, il va rester 5 PV à lui là. Et ça devrait être bon. 40 pour 40, parfait. Et là, on le défonce. Ok, du coup il y a lui là à gérer éventuellement. Plus de munitions. Il y en a un là. Ils sont plus que 26, hein, ça se diminue, mais je pense qu'il y en a encore un bon nombre ici avec le nid là qui fait des énormes ramifications. Donc il va falloir qu'on revienne aider. Yes, sir. Dans ce coin là. Vas-y, on défonce par là. Toi. Si je t'amène jusque là, qu'est-ce que tu vois? Pas lui, pas lui, pas lui. Ok. On va t'avancer d'une case. Ça en fait au moins un. Et après, on essaie de protéger un peu. Ok. Toi, tu pourrais aller chercher le loot, mais c'est un peu tôt. Donc ici, lui, on a dit, il est mort. Il faudrait qu'on arrive à faire un peu de place pour glisser lui ici. Voilà, commencer à titiller un peu celui-là. Parce que lui, il est hyper énervé. Niveau angle de tir, ouais, il faudra que je vienne jusque là. On peut le faire. Ok, ça c'est une petite merde, on s'en fout. Le Grazed, quoi. On a tiré sur le mur pour rien. J'ai peut-être moyen de m'approcher au corps à corps avec lui et toi. Allez. Ah, t'as plus de munitions. Excellent, ça c'est fait. Parfait. On va protéger de ce côté-là avec une défense pour les petits verts là. Toi, tu protèges là. Toi, tu vas protéger ici si jamais il y a un truc qui essaie de passer. Parce que là on peut passer, on est d'accord, ouais. Ok, on va arrêter le premier épisode de VOD là. Ça se passe pas trop mal pour le moment, même si niveau munitions, je pense que ça va être assez tendu. On a 3 missions enchaînées. Mais bon, là, on avait quand même 100 aliens à buter. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le bon moment. Je bois ma petite gorgée d'eau. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.